et répétez après moi. Je jure, je jure de ne pas dévoiler, de ne pas dévoiler le contenu de cette cérémonie Morlock, de cette cérémonie Morlock, sous peine d'avoir les fesses bottées, d'avoir les fesses bottées. Ah, allô, Dominique, c'est Joseph, rendez-vous au bord du canal, la la la. Oui, 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 c'est ça, à l'hôtel du Nord, Dominique, c'est bien ça, rendez-vous au canal. Joseph. Oui, mon cher Dominique. Je t'ai toujours connu avec une caméra. Bah oui, caméra. Elle est là. Elle est là. Est-ce que tu l'as eu très tôt dans ta jeunesse ou... Je l'ai eu le jour de mes 18 ans. Ah bon? C'est ma mère qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Et alors, tu as commencé à ce moment-là à filmer des manifestations? Pas tout de suite. J'ai commencé, en fait, ce qui était devenu mon journal. Déjà, ça a commencé bille en tête par un journal. Je ne me souviens pas très bien, mais je suis persuadé que je faisais déjà un journal écrit. Parce que j'ai commencé aussi vraiment mon journal écrit le jour de mes 18 ans. Mais j'avais en tête l'idée d'un journal filmé, oui. C'est déjà là. Ah oui. Oui, oui. Mais ce que tu filmais, c'était... Alors on était à quel moment? Après 68? Non, c'était avant, c'était octobre en 67. Mais là, tu deviens toi original quand tu te mets à filmer des événements réels. C'est-à-dire, par exemple, politique, des manifestations, des trucs comme ça. Oui, ça, c'est venu un peu plus tard. Bon, déjà, dans ces toutes premières années, par exemple, je n'ai pas filmé les événements mai 68 parce que j'ai décidé de les vivre plutôt que de les filmer. Ah bon? Oui. Et heureusement que je n'ai pas filmé, parce que si je fais tant d'archives depuis, c'est parce que je n'ai pas filmé ces événements que je l'ai vécu. Je pense, pas, peut-être pas. Archive, c'est le mot qu'on peut employer pour tout ce que tu as filmé, les manifestations du 1er mai, les trucs comme ça, gauchistes, enfin... Oui, oui, j'appelle ça des archives. Même le premier film que j'ai fait, je le considérais comme une archive. Un journal, c'est une archive... Sur soi-même. Pour le futur. C'est une archive pour l'éternité, sur l'immortalité. Ouais. Maintenant, j'ai compris que peut-être ni l'un ni l'autre n'existe. Les mouches, c'est terrible aussi. Ça... Les mouches. Il y a autant de mouches que d'hommes. Ah, chaque homme a sa mouche. Écoute, moi je n'ai plus ma mouche parce que j'ai tué quand j'étais enfant. Et peut-être c'est pour ça que j'ai cru à ce moment-là que j'étais Dieu.